Julia, écoute-moi, s'il te plaît. Non. Il n'y a plus de temps pour ça. J'ai déjà versé de l'essence dans toute la pièce. C'est fini. C'est fini, Marginal. Ta fin est arrivée. La fin de la Marginale est arrivée. Oh, Soraya. Je t'en prie, ne le fais pas, Soraya. Elle a... Ça me fait mal de brûler ce lieu. Ici, je suis venue toute petite. Mais peu m'importe. Le feu purifiera. Si Néron a brûlé Rome, pourquoi moi je ne vais pas brûler cette cabane avec toi dedans? Soraya, Soraya, ne commets pas d'autres crimes, s'il te plaît. Écoute-moi, laisse-moi t'aider. Avec un bon traitement, tu peux arriver à surmonter tes traumatismes, Soraya. Je ne suis pas folle. La folle, c'est toi, Maria la Sauvageonne. Mais en réfléchissant un peu mieux, je suis folle. Folle de haine contre toi. Elles doivent être là. Soraya doit avoir emmené Maria à la cabane. Que Dieu permette que Maria soit encore saine et sauve à cet instant. Non. Nous allons jouer Maria la Sauvageonne, d'accord? Ainsi ton agonie ne sera plus interminable. Je vais allumer une à une les bûchettes d'allumettes. Ainsi. Ouh. Et une autre. Encore une autre, hein? Une autre. Regarde. Et je l'éteins. Oui, bravo. C'est dont j'ai envie, moi. Que tu ne saches pas laquelle sera utilisée pour incendier toute la pièce avec toi dedans. C'est bien la voiture de Soraya. Ce sera celle-ci. Ouais. Ou celle-là. Arrête ça, Soraya, s'il te plaît. Une autre, s'il te plaît, je t'en prie. Soraya Monténégro, nous savons que vous avez là Maria Hernandez. Et vous êtes encerclée. Rends-toi, Soraya. Nous te promettons que tout ira bien pour toi. Rends-nous Maria en te livrant. Luis Fernando! Mais il ne va pas te voir vivante. Je ne vais jamais permettre que vous soyez encore ensemble. Plus jamais vous ne serez ensemble. Lâche-moi! Il faut chercher la manière d'entrer sans mettre en danger la vie de Maria Hernandez. Moi, je vais entrer. Non! C'est trop risqué de le faire. Soraya pourrait être armée et vous attaquer. Je dois sauver la vie de mon épouse. Je dois courir ce risque. Je ne vais pas permettre que Luis Fernando se sauve. C'est seulement sur mon cadavre que vous serez encore ensemble, vous deux. Ça suffit, Soraya. Ne commets pas une folie. Si tu incendies la cabane, toi aussi tu mourras dans les flammes. Je préfère mourir que d'aller en prison. Je ne vais pas permettre que vous risquiez votre vie, monsieur de la Vega. N'osez même pas faire un pas de plus. Revenez, maître. Je te dis adieu pour toujours, Maria la Sauvageonne. Ça suffit, Soraya. Attention, Luis Fernando. Toute la cabane est arrosée d'essence. Fais attention, s'il te plaît. C'est la perfection. Maintenant, oui, nous sommes au complet. C'est maintenant que nous allons mourir tous les trois. Oui, tous les trois. Ensemble, nous trois ensemble, nous allons mourir. C'est la perfection! S'il te plaît, petite vierge, ne permets pas qu'il arrive quelque chose de mal à ma mère Maria.
Ne permets pas que Soraya Montenegro puisse lui faire de mal. Sauve ma mère, Maria. Il y a 20 ans, nous étions déjà ensemble d'une certaine manière. Et bien maintenant, nous allons mourir tous ensemble. Ne fais pas ça, Soraya. Rends-toi, Soraya, c'est mieux pour tout le monde. Écoute, laisse-moi t'aider, Soraya. Calme-toi, laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Ce que tu veux, c'est que la police m'arrête. Mais plutôt que d'aller en prison, je préfère la mort. Le feu n'est pas arrivé à nous atteindre. Mais Soraya est à terre. Il faut la sauver. Il faut sauver Soraya. Nous ne pouvons pas la laisser brûler vive. Faites quelque chose. Sortez-la de là. Sortez-la. Il faut sauver Soraya. Il faut la sauver. Soraya. Soraya. Non, madame. Vous ne pouvez pas la laisser là. Non. Il n'y a pas échappé. Oh, c'est horrible. Aidez-la. Elle nous a fait beaucoup de mal, mais elle ne mérite pas de mourir ainsi. Oh, j'aurais voulu la sauver. Oh, mon Dieu. Ça paraît un mensonge que 2 mois soient passés depuis la mort de Soraya. J'ai encore des frissons en me rappelant de l'amour si frais.